Es ist eines der reichsten Länder der Welt, doch das Großherzogtum Luxemburg hat Probleme, seine Menschen angemessen unterzubringen. In Luxemburg lag das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt 2022 bei mehr als 125.000 Euro. Dennoch gibt es immer häufiger Proteste von Menschen, die ihre Miete nicht zahlen oder keine Wohnung kaufen können. C'est pas nouveau, ça fait des années, mais ça s'est empiré au fur et à mesure des années. Et en fait, ça s'explique parce que Luxembourg est attractif au niveau financier. Donc, vous avez beaucoup de main-d'œuvre qui est intéressée de venir travailler à Luxembourg. On est obligé de quitter, d'aller de l'autre côté de la frontière pour pouvoir se loger. Mais pas forcément besoin d'être étranger. Ça veut dire... Et les jeunes qui ont toujours vécu au Luxembourg, une fois qu'ils partent de chez les parents, ils doivent aller de l'autre côté. Luxemburg ist ein sehr kleines und dicht besiedeltes Land, aber das ist nicht der einzige Grund, der erklärt, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Le problème, c'est que toute la production de logements a été orientée depuis 30 ans vers une production pour les investisseurs et de moins en moins pour les primo-accédants. Et maintenant que les investisseurs se sont détournés du logement à cause de l'augmentation des taux d'intérêt, il n'y a plus de production et la situation est catastrophique. Der Wohlstand und die hohe Lebensqualität Luxemburgs ziehen Zuwanderer an. Der monatliche Mindestlohn liegt bei 2.300 Euro, aber die Wohnungspreise haben sich gewaschen.